Alors ils ont réussi à t'atteindre. T'as été possédé par un des frères Barjot de la fille qui est encore en moi. Mmh. Ouais. Mais maintenant, je suis là. C'est ce que je vois. Mmh. Le mec qui a dénoncé sa femme et qui a renoncé à leur projet d'avenir. Commence pas. Marcel a dit que... Tu cires les pompes des vampires, maintenant? Cette ville aurait pu être débarrassée de si t'avais été un peu moins lâche et faible. Tu ne m'as pas laissé le choix. Je ne pouvais pas te laisser continuer comme ça. T'as vu comme notre communauté était faible, les congrégations s'affrontaient sans relâche. La moitié s'était alliée avec les vampires. Le changement était nécessaire. L'unité était nécessaire. Et tuer ses enfants, c'était nécessaire. Vincent, je n'ai tué aucun d'entre eux. Ils sont tous encore en vie. Ils dorment, c'est tout. Cachés par un sort. Ils ne sont pas morts. J'avais besoin de leur pouvoir, pas de leur vie. Ma ravissante fille, l'aînée de mes enfants. Si vous me touchez, je vous étrangle avec ces chaînes. Bien, maintenant que vous vous êtes échangé des amabilités, commençons, s'il vous plaît. Il semblerait que votre adorable sœur Dahlia soit en route pour la Nouvelle-Orléans et qu'elle ait décidé de voler mon enfant. Alors je veux que Rebecca puisse retrouver son corps d'origine pour qu'elle m'aide à l'anéantir. Tu as un enfant? Oh. Oui, j'imagine que c'est dur d'être bien informé de ce qui se passe dans le monde quand on pourrit dans une tombe. Ce n'est pas grave, je vais vous faire la version courte. Ma fille est vivante, et Dahlia est en route. La précédente locataire du corps de Rebecca a repris possession des lieux, et elle n'a aucune envie de lui recéder la place. La jeune Freya est puissante, mais elle ne connaît pas le sort qui permettrait de renvoyer Rebecca dans son corps. C'est là que vous intervenez. Alors, je vous demande d'être gentil et d'aller puiser dans vos souvenirs les plus profonds le sort que nous cherchons. Donnez-moi la formule qui me ramènera Rebecca. Tu sais, quand tu m'as balancé, je t'en ai même pas voulu. T'étais dans le noir total. Mais là, t'y vois clair, non? Depuis que ton corps a été volé par la même famille de vampires que celle qui a envahi le mien! On doit intervenir, on n'a pas le choix. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une sorcière. Ensuite, on finira le rituel, tous les deux. On va prendre tout le pouvoir nécessaire et les enfants rentreront dans leur maison auprès de leur mère. Après ça, personne ne pourra plus nous contrôler et on fera ce qu'on veut. Je l'entends jacasser, mais elle dit pas grand-chose. Je crois qu'on n'a pas vraiment avancé. Elle a dit des choses intéressantes. Et j'ai décidé de l'écouter.